Nous allons voir comment pratiquer la respiration abdominale d'effort au cours de la marche. Ce patient présentait une arthrodèse L4, L5 et S1. Nous voyons ici sa cicatrice un mois après son intervention chirurgicale. À ce stade, il souffrait encore du dos lors des activités physiques et en particulier lors de la marche, qui était limitée à quelques dizaines de mètres. Il devait donc porter ce corset en permanence. Vous avez été opéré du dos. On vous a mis une arthrodèse, des visques et des plaques, parce que vous aviez de la sciatique, c'est ça? Oui, c'est ça. Je t'en mets déjà chargé. Des douleurs, de la sciatique. Et donc le traitement, ça a été ça. Bon. Ce qui vous a bien soulagé, c'est la respiration abdominale d'effort qu'on vous a appris. Hein? Donc en marchant notamment et en faisant les exercices. On a commencé en faisant les exercices. Alors on rappelle, on inspire, on rentre le ventre, on contracte le périnée, l'anus en quelque sorte, et on reste là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 et on relâche. On se repose, donc ça fait une espèce de massage. On inspire. Il y a une pression interne qui appuie sur la colonne vertébrale, qui en même temps fait une espèce d'autograndissement automatique, puisque c'est un peu comme une bouée, quand elle est gonflée, elle prend une forme. La forme que prend le thorax et l'abdomen quand on rentre le ventre avec de l'air dans les poumons, eh bien cette forme c'est l'autograndissement. Donc il n'y a pas besoin de réfléchir dans quelle position je vais me mettre, ça se met automatiquement en bonne position. Inspirez. Rentrez le ventre, contractez le périnée, on reste là dans la position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On relâche. Donc on peut faire tous les exercices de rééducation. Avec la respiration abdominale d'effort. Tous les exercices de rééducation. Il ne faut surtout pas le faire en soufflant, c'est comme si on roulait dans une voiture avec les pneus qui se dégonflent. Donc ça ne va pas. Quand on va se relever, vous allez faire la respiration abdominale d'effort pour vous relever. Allez-y, vous le faites, vous inspirez, rentrez le ventre, contractez le périnée, et maintenant vous vous mettez debout. Alors ce qui a été le plus impressionnant, ça a été quand même la marche. Donc on lui a appris à faire une vingtaine de pas avec la respiration d'effort et puis il se relâche. Moins de douleur. Moins de douleur alors que d'habitude vous ne pouviez pas faire l'aller-retour sans vous reposer. Je marche même pas 10 mètres, j'arrête parce que j'ai une douleur dans le dos. Et là vous avez pu marcher les 300 mètres. Ah, j'ai fait 300 mètres. Hein? Sans problème. Sans problème. Donc ça, vous en reveniez pas. C'est impressionnant. Donc ça faisait combien de temps que vous étiez opéré? Un mois et trois jours. Donc on ne vous l'avait pas fait pendant un mois, parce que c'est à 3 jours que je vous l'ai montré. Et ça vous a un peu changé la vie, en quelque sorte. Oui, c'est sûr. Ça a changé un peu le dos, le corps, respirer, les muscles. D'accord. On y va, on refait. Voilà, ça y est, il bloque. Restez droit, la tête bien droite, hein, continuez à marcher à votre rythme, toujours. Et c'est comme ça qu'on a fait 300 mètres. 20 pas en apnée, c'est pas long, c'est quand même pas le grand bleu. Hein, c'est une vingtaine de secondes, une trentaine de secondes, on arrive très facilement à le faire, même sans entraînement. Hein. Et puis après, on souffle et vous faites quelques pas. Donc c'est ce qu'on appelle la respiration abdominale d'effort intermittente. Donc voilà ce qui est bien pour ce patient. Voilà, il le fait sérieusement, hein, pour... Vous pouvez vous reposer entre deux, hein. Entre deux, vous pouvez vous reposer au moins 20 secondes.
20 secondes de repos. Et on repart. Voilà. Donc on fait presque autant de repos que de travail. Mais il faut se reposer entre deux. Et là, pas de douleur. Non, ça va. Donc on a déjà marché 150 mètres et on va faire la remontée. Voilà, on fait le tour de l'anneau. Ça va faire les 300 mètres. Voilà. On revient. Toujours avec la respiration, dès que vous pouvez. Voilà, ça fait 300 mètres. Pas de douleur ? Pas de douleur. Bon, très bien. Ben, il faut continuer alors. Eh oui, et ça avant, c'était pas possible. Ça avant, avant ça, c'est incroyable. Parce que ça fait mal, toujours mal. Ça faisait toujours mal quand vous faisiez pas la respiration d'effort. Voilà, que j'ai mal, je ne respire pas. Ça m'a fait de la douleur derrière, et ça m'a fait de muscles. Ça m'a coincé. Ça vous coinçait, vous aviez des douleurs. Et maintenant, voilà. Vous avez plus mal. Ah ben là, Dieu merci, ça va. Dieu merci. Va. Allez. En respirant, en marchant, c'est impeccable. L'image de gauche montre l'attitude habituelle du patient lorsqu'il n'effectue pas la respiration abdominale d'effort. On voit que la pression est insuffisante et faible dans le thorax et dans l'abdomen. Le poids du corps repose uniquement sur les vertèbres et les disques intervertébraux. C'est la colonne vertébrale qui fait tout le travail de supporter le poids du corps. L'image de droite montre le patient qui fait une respiration abdominale d'effort et reste en apnée inspiratoire, avec le ventre rentré et le périnée contracté. La pression abdominale est forte, il y a un effet de piston élévateur qui soulage la colonne vertébrale. Une partie du poids du corps, au lieu de passer par la colonne vertébrale, passe par le ventre et passe par les poumons, qui se comporte comme un pneu bien gonflé. Donc, la colonne est soulagée, elle n'a pas à supporter la totalité du poids du corps, elle n'a pas à supporter les charges additionnelles que le sujet peut porter dans ses mains, sans dommage, sans danger pour la colonne vertébrale. Alors, de plus, on sait que tout solide gonflé prend une forme. Prenez une bouée. Lorsqu'elle est dégonflée, on peut peut-être la tordre dans tous les sens, alors que lorsqu'elle est gonflée, elle prend une forme, elle devient rigide. Pour la colonne vertébrale, c'est pareil. Lorsqu'on effectue la respiration abdominale d'effort, c'est-à-dire lorsqu'il y a une forte pression dans le thorax et dans l'abdomen, il y a un effet de piston élévateur et d'autograndissement. La forme prise, c'est l'autograndissement, ce qui soulage les poids, ce qui soulage tout ce que l'on peut porter, y compris le poids du corps. Donc c'est très favorable et ça explique que le sujet n'a pas mal lorsqu'il effectue la respiration abdominale d'effort. Ça soulage la colonne vertébrale.